Voilà. On va faire le branchement électrique, le 220 sur le moteur, puisque j'ai une arrivée ici. Après, ça part en 24 volts de l'autre côté. J'ai mon arrivée ici neutre, terre et phase. Donc ici, j'ai passé mon câble. Donc le câble, il va rentrer par en dessous, ici. Je vais le récupérer à l'intérieur, voilà. Et je vais aller me brancher ici, en accrochant mes câbles sur le pontet qui se trouve là. En vrai, évidemment, non, attention aux couleurs. Je vais passer mon neutre ici. Voilà, je serre. Et je serre bien puisque pour pas que ça chauffe et qu'il y ait l'amorçage. Voilà, je passe bien. Ma terre au milieu. Voilà. Et ma phase de l'autre côté. Voilà. Vérifie bien que tout ça c'est bien serré. Voilà, et je vais passer mon pontet ici par-dessus mes trois câbles. Bien les passer dessous. Ici, je remets ma petite vis. Hop. Bien serré. Là, je suis tranquille, c'est bien serré, ça tient bien et je suis bien maintenu. Donc, je vais raccorder maintenant dans ma boîte électrique. Donc ici, je vais ouvrir mon trou pour pouvoir passer mes câbles. Là, je vais les couper, ils sont un peu longs. Je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, je remets bien mon joint, ça assure l'étanchéité. Voilà, là c'est parfait. À l'intérieur ici, j'ai mes trois câbles. Voilà. Je vais venir les fixer un par un ici. Voilà. Ici, je vais pouvoir les serrer maintenant. Fixé, bien fixé, ouais. Et maintenant je récupère mon arrivée 220, donc l'arrivée qui vient du disjoncteur là-bas, et je vais évidemment remettre mes fils ici de la même manière et dans le même ordre. Donc, je vais couper un peu parce que c'est trop long. Et je vais raccorder évidemment les bonnes couleurs. Un petit peu long où je vais couper. Le rouge sur le rouge. Celui du milieu, c'est la terre.
une litre. Voilà, mon raccord de 120 volts est fait, c'est bon, j'ai plus qu'à le piquer à l'intérieur. Ici, alors c'est un peu raide, c'est normal, hein, c'est des câbles rigides. Voilà, on a fait le raccordement du moteur en 220 volts. On va continuer à faire l'installation.